ordonné diacre s'avance. D'où Fréjus Olive Stéphane de la paroisse Notre-Dame de Bessédi. Le voici. Des toits rouges. Le voici. Simbaro Joëlé du chemin néo-catéchuménal de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Tarcento en Italie. Et voici. Simbaro Joëlé du chemin néo-catéchuménal de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Tarcento en Italie. Et voici. À la Glo, à Mévi Achille, de la Société des Missions Africaines. Le voici. Le voici. Otun Olungwa Bunmi John, de la Société des Missions Africaines. Le voici. Le peuple chrétien a été consulté. Et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Apaou Serge Pacom Arnaud, de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharan. Kadjo Nda Arnaud, de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharan. Kofi Gebor-Landry, de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharan. Yomafou Adjé Hippolyte, de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharan. Ange Loboué, de la Congrégation des religieux tertiaires capucins, de Notre-Dame des Douleurs. Ramde Palengwende Emmanuel, de la Société des Missions Africaines. Le chant qui convient à ce jour. Thomas, mets ici ton doigt et vois, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ensemble. Thomas, bravo. La dernière fois que vous l'avez entendu, ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'est la fête de l'apôtre Saint Thomas. C'est pourquoi nous avons voulu conserver les textes du jour de ce grand apôtre, puisque c'est la célébration des ordinations diaconale et presbytérale. Et donc, cela convient parfaitement. S'il y a des gens parmi nous qui s'appellent Thomas, qui se mettent debout pour qu'on leur dise bonne fête et que la prière et la bénédiction de Saint Thomas retombent sur eux. Voilà, tu vois le père Koubala, Thomas Memel.
Où est Djedj? Djedj est le curé de Saint-Thomas, réclame qu'on parle de la paroisse Saint-Thomas. Monsieur le curé, levez-vous. Voilà. Merci. Ces jeunes gens que vous voyez, tout ce qui concerne leur vie presbytérale a été dit à la retraite pratiquement d'une semaine qu'ils viennent d'avoir. Moi-même, je les ai rencontrés et je leur ai dit ce qu'il est juste de dire quand on est à la fin de sa préparation concernant le bréviaire et un certain nombre de choses, y compris le célibat, etc. Ce que je voudrais que nous relevions aujourd'hui, il y a principalement, dans ce que je vais dire, deux points. Ça concerne l'évangile du jour. D'un côté, dans la foi catholique, il nous est demandé d'avoir dans notre foi un peu de Saint Thomas. Si quelqu'un dit, lui n'a pas besoin de preuve de rien du tout pour croire, il risque de tomber dans une hérésie, c'est-à-dire une erreur de la foi catholique qu'on appelle les futures, les ordinances, c'est quoi? Le fidéisme. Puisque il faut avoir du discernement dans la foi. Ce qui est reproché à Thomas ici, c'est d'avoir posé des conditions avant de croire. Ce n'est pas pour autant qu'il faut croire à tout. La foi a besoin d'être purifiée de beaucoup de choses. Déjà dans l'évangile, Jésus a commencé à nous mettre en garde. Matthieu 24. Il y aura des faux prophètes qui vont venir, qui vont faire des signes tellement grands que ils pourraient même détourner les élus. C'est-à-dire ceux-mêmes qui sont destinés à être sauvés. Il y a des faux prophètes qui peuvent les détourner avec des miracles. Et Jésus, en terminant cela, il dit, « Voici, je vous ai prévenu. » C'est-à-dire que de toute façon, ça va arriver. Donc, dans un contexte où il y a du vrai et du faux, il y a une attitude qui est juste. Il faut avoir le juste discernement. Dans l'Évangile, on vient dire à la Vierge Marie qu'elle va avoir un enfant. Et elle ne dit pas « Alléluia, Amen ». Elle dit « Mais comment cela se fera-t-il ? Puisque j'ai choisi de rester vierge. Comment on peut être à la fois religieuse et puis avoir un enfant ? Quand la Vierge dit « Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge ?» Ce n'est pas virginée, j'étais jusqu'au mariage. Elle sait que pour avoir un enfant, il faut avoir des relations conjugales. Dans l'Église catholique, nous croyons que Joseph et Marie se sont engagés à une vie de chasteté perpétuelle. C'est pourquoi la Vierge Marie demande à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il » On ne peut pas être à la fois consacré, vierge, rester vierge toute sa vie et puis avoir un enfant. Ce n'est pas un manque de foi. Et l'ange va lui dire que ça ne nécessitera pas des relations conjugales. C'est l'Esprit Saint qui te couvrira de son ombre, etc. Parce que l'enfant qui va naître, il sera saint, il sera appelé fils du Dieu très haut. Bon, avec une explication comme ça, elle dit, bon, si c'est sans relation conjugale, j'ai compris qu'il me soit fait selon votre parole. Je peux à la fois rester vierge et concevoir. Ce n'est pas contre la foi, c'est pas contre ça que Jésus s'élève aujourd'hui. Et il y a une petite phrase qui est sortie ce jour-là, car rien n'est impossible à Dieu, pour la rassurer, parce que humainement parlant,
on ne voit pas comment c'est réalisable, car rien n'est impossible à Dieu. Dans les actes des apôtres, vous rencontrerez des faux. Élimas le magicien, Simon, ceux qui veulent acheter les dons, il y a plein de choses de ce genre. Et Paul, dans ses lettres, dit ceci. Philippiens chapitre 5. N'éteignez pas l'esprit, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Ah, si mes amis qui ont des charismes, qui ont des dons spirituels, pouvaient se soumettre à cet examen. Paul dit d'examiner tout et de retenir ce qui est bon. Parce que c'est le même Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11, qui va dire que le démon peut se changer en ange de lumière pour tromper les gens. Donc, dans un contexte comme ça, on ne peut pas tout croire. Il faut tout examiner, retenir ce qui est bon. Et dit dans une assemblée, la première aux Corinthiens, chapitre 14, que deux, vous pouvez parler en langue, hein, deux ou trois ou plus. Si quelqu'un a une prophétie, deux ou trois, pendant que l'un est en train de parler, les autres se taisent. Et qu'on discerne. Si c'est parler en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter, sinon que la personne se taise dans l'assemblée. Si c'est une prophétie, qu'on discerne. Donc, si vous avez une foi qui n'a pas ce discernement, si vous avez des charismes, que vous n'avez personne pour discerner, pour faire le diagnostic et déterminer de quoi il s'agit, c'est dangereux. À Lourdes, il y a beaucoup de miracles. La commission chargée d'examiner ces miracles, en fin de compte, retient très peu de choses comme miracles. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. On parle d'effet placebo. Je ne suis pas médecin, mais c'est démontré qu'on a donné à des athlètes des faux dopages. Et on leur a fait croire que c'était des dopages. Ils ont dépassé leur record. Et les médecins savent que si vous prenez de la craie, que vous faites croire à quelqu'un que c'est un comprimé, que tous ceux qui ont pris ce comprimé-là ont été guéris, la personne peut guérir. Mais ça ne vient pas d'un miracle. Ça vient de lui-même. Plein de choses de ce genre. Il y a des mirages, il y a la mélancolie, il y a beaucoup de choses qui jouent dans l'homme. Et tout à l'heure, nous allons dire une petite phrase. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement, aide-moi. Eh bien, celui qui a dit ça, c'est un païen, un centurion romain. Et Jésus l'a admiré. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Mais ce centurion romain-là, quand il est parti chez lui, il a demandé, il dit, mais à quelle heure mon malade-là a été guéri? Quand on lui a donné l'heure, il dit, ah, ça correspond à l'heure qu'il m'avait donnée là. Il a dit d'aller que mon malade est guéri. C'est ce qu'on nous demande. Il a la foi plus que tous. Jésus dit, même en Israël, il n'y a pas trouvé une telle foi. Mais il vérifie. C'est avec cette foi-là, c'est de lui que je vais. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Je suis en train de parler du discernement de la foi, mais quand même, dans notre foi, c'est ce qui est reproché à Thomas. Il faut savoir que si Jésus est homme et Dieu, très souvent, on a tendance à oublier le côté Dieu et on le prend pour le menuisier ou le charpentier de Nazareth, et on s'arrête là. Il a fait exprès pour être couché dans le bateau. Comme il ne réagissait pas, ils ont conclu qu'il dort, ils n'ont pas voulu lui faire appel. Pourquoi? Parce que dans le bateau, il y a des expérimentés en matière de pêche et de tempête. Jacques et Jean, Pierre et André, ce sont des pêcheurs. Donc ce menuisier qui est couché là, qu'est-ce qu'il connaît aux tempêtes et tout ça?
Ils ont essayé, ça n'a pas marché, c'est là qu'ils sont venus le voir. Il a démontré qu'il n'est pas seulement homme. Pour arrêter tout ça, il a dit, silence. Et puis la tempête s'est calmée. C'est là qu'ils se sont dit, il n'est pas simple. Hein. Jésus veut que nous sachions qu'il est Dieu et qu'il est homme aussi. Il ne faut pas s'arrêter à l'aspect homme. C'est vrai qu'il est 100% homme, mais il est 100% Dieu. C'est cette foi-là, c'est ce que Jésus veut. Lazare. Les soeurs de Lazare ne veulent pas avoir honte. Quand Jésus voulait faire le miracle, il lui dit, « Ah, chef, on sait que tu es fort, mais cette fois-ci-là, on sait que tu ressuscites les gens, hein, mais ce n'est pas ceux qui sont morts et qui sentent déjà. » Donc il lui dit, chef, il sent déjà. Hein. Jésus a répondu à Marthe, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand c'est comme ça, il démontre qu'il est Dieu. Pour faire le miracle, il a dit, Lazare, sors. Un mot. Et puis on dit, le mort est sorti lié. Un homme qui est lié, qui est dans un tombeau, est ressuscité, il est bien portant, il n'y a rien à ajouter, ils sont liés. C'est même lié là, c'est comme si on l'avait tiré par un aimant, un courant, un aimant puissant. Il est sorti, il dit, bon, maintenant délie-le. Un homme ne peut pas faire des choses comme ça. Alors, Thomas fait partie de ceux qui ont entendu Jésus dire, tout ce que, Jean chapitre 5, tout ce que le Père fait, le Fils le fait, pareillement. Moi et le Père, nous sommes un. Je vais mourir et je vais ressusciter le troisième jour. Et nous qui sommes là, nous savons que la divinité de Jésus-Christ est un élément très important. Le centurion romain a plu à Jésus parce qu'il sait que l'homme là, bon, lui, il n'est pas croyant, mais il sait qu'il peut faire plus que l'homme normal peut faire. Dieu peut faire plus que l'homme ne peut comprendre. Aujourd'hui, dans l'astronomie, ils découvrent plus de miracles, pardon, pas de miracles, plus de mystères que nous. Parce qu'ils ont compris que notre galaxie de la Voie lactée, 200 milliards d'étoiles, on est seulement autour d'une seule étoile, le Soleil. Les autres étoiles, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et il y a des amas de galaxies, des milliards et des milliards de galaxies. Donc, Jésus veut qu'on le traite comme il est. À sa naissance, avant qu'il ne naisse, on a dit, pour son nom, le jour de Noël, on le chante, peut-être sans se rendre compte. On proclame son nom, conseiller merveilleux, héros divin, Père éternel, prince de la paix. Père éternel, déjà dans Isaïe, on l'a proclamé Père éternel. Et quand vous prenez le psaume 44, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie. C'est le même Jésus. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en Thomas, c'est ce qui s'est passé chez Paul. Qui tu persécutes? C'est quand il a demandé... Jésus disait à Paul, du moins Paul a demandé à Jésus qui il était, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul est tombé et il est resté avec trois jours. Dans la deuxième aux Corinthiens chapitre 12, il dit « Il a vu des choses qui n'ont pas permis à un homme de voir. » Qu'est-ce que Thomas a vu ce jour-là? Lui qui doute de la divinité de Jésus-Christ, on ne sait pas ce qu'il a vu. Hein. Jésus lui a montré etc. Bon, les plaies et tout ça. Et puis Thomas, du coup, sa foi a fait un bond. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, après tu vas me prendre au sérieux. Avec ce que tu as vu là, tu vas me prendre au sérieux. Mais personne ne sait ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu en quelques secondes pour découvrir que c'est Jésus, Ménégier, etc. qui est devant lui et le Seigneur et le Dieu. Il a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est ce que, avant on disait, quand on montre l'hostie, dans toute l'église, tout le monde devait dire, mon Seigneur et mon Dieu.
Parce que dans l'hostie, tout à l'heure, c'est Jésus-Christ ressuscité tel que Thomas l'a vu que nous allons manger. Et donc, mon Seigneur et mon Dieu, il a vu plus que nous, nous avons vu. Et la foi de Thomas aujourd'hui en la divinité de Jésus-Christ, il peut donc, s'il est Dieu, il peut se ressusciter lui-même. Il peut faire tout ce qu'il veut. Rien n'est impossible à Dieu. Je m'excuse de revenir un peu en arrière. Il y a quelqu'un qui voulait que Jésus guérisse son fils. Il dit, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit, si tu peux, si tu peux. C'est à moi que tu dis, si tu peux. Alors, Jésus ne veut pas que dans sa personnalité d'homme et de Dieu, nous méprisions ce côté-là. Et il y a quelqu'un, un chanteur français qui a eu ce problème sur sa personnalité et il a fait un de ces beaux chants qui me plaît beaucoup, mais je vais peut-être scandaliser les oreilles trop pures en les écoutant. On dit, il dit, la phrase est brève, hein. Vous pensez à qui? On doutait de ce qu'il est au niveau. C'est un peu vieux, hein? Il dit la société veut que tout le monde fasse la même chose. Et on veut le transformer pour que lui ressemble à la société. Comme la société n'a pas réussi à le déguiser pour qu'il lui ressemble, c'est qui? La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans les rues me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Mon immense style correspond bien à mon état civil. Merci. Alors aujourd'hui, Jésus veut simplement que vous reconnaissiez que il n'est pas seulement le petit Méduzier et qu'il est, il est Dieu aussi. Il est vrai homme et vrai Dieu. Si nous retenons cela, nous pouvons croire à tout le reste. Mais le considérer, et quand tu es quelque chose et qu'on ne te prend pas pour ce que tu es, ça fait souffrir. C'est pour cela que Michel Polnareff, il a chanté presque, en tout cas, en faisant voir qu'il est un homme. Et il dit au président à son procès, si vous ne me croyez pas, vous pouvez interroger les filles qui sont dans le quartier. Là. Je suis un homme. Je ne suis pas. Il dit, je n'ai pas un PD. Il est un homme. Donc Jésus-Christ est vraiment vrai Dieu, vrai homme. Et n'oubliez pas cette petite phrase, Dieu peut faire plus que l'homme ne peut comprendre. Et je termine avec le centurion romain. Et Jésus dit, bon, je vais aller guérir. Il dit, non, toi tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller là-bas. Moi-même je suis un chef. Quand il dit à l'un, va, il va. L'autre vient, il vient. Mais tu peux rester là et puis commander, ça va marcher. Jésus l'a laissé, hein. Il s'est tourné vers ses compatriotes. Même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Il a cru que d'ici, je peux guérir à distance. Donc, examinons-nous pour voir si notre foi est à ce stade, au stade du païen centurion romain dont nous allons reprendre la phrase. En terminant, je voudrais faire un clin d'œil à nos amis de SMA. Vous célébrez les 125 ans de votre arrivée en Côte d'Ivoire et c'est en même temps les 125 ans de l'évangélisation de notre pays, et c'est avec une certaine émotion que je dois ordonner des prêtres de la Société des Missions Africaines, ceux-mêmes qui sont venus, qui nous ont évangélisés, qui ont sacrifié tant de leurs prêtres pour que nous soyons aujourd'hui des chrétiens. Et si aujourd'hui l'un d'entre nous peut ordonner un prêtre SMA, sans mépriser les autres, je crois que c'est une grâce qui mérite d'être relevée. Merci au Père SMA, applaudissons pour eux.
guitare à travers le dialogue avec l'évêque. Entendons d'abord. Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, dans une conscience pure, et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Je le promets. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique. Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Je le promets. Thank you.
à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Ce que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres, toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi
pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit-Saint, sept hommes, estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Garde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit, par leur fidélité à tes commandements et à l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint est rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Thank you.
cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Du sacrifice de l'Alliance Nouvelle, que ta bénédiction les sanctifie. Accorde-nous de refaire nos forces par tes sacrements, en célébrant sur terre ce sacrifice très saint. Et remplis-nous de ton esprit jusqu'au jour où nous participerons, avec tous les saints, au banquet de ton royaume dans le ciel. À toi, honneur et gloire, éternellement. Amen. Dieu est le Père et le pasteur de son Église, qu'il vous soutienne de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre et de diacre. Dieu a confié aux diacres la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des témoins et des ministres de son amour.
et vous ces prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Message, c'est que la personnalité du Christ, à la fois Dieu et homme, évidemment pose problème à nous tous. Nous avons tendance à le voir uniquement sous l'aspect d'un homme. Et c'est ce que j'ai voulu rectifier en le présentant comme vrai Dieu et que cet aspect également ressorte dans notre vie de chrétien et par conséquent dans notre foi. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Normalement, le prêtre doit s'attendre à beaucoup de combats au niveau spirituel. Et comme ils sont jeunes, inexpérimentés, et que l'adversaire est puissant et expérimenté, la prière personnelle et communautaire est un des atouts que nous connaissons, mais que nous n'utilisons pas suffisamment. Le sacerdoce est un don et mystère. Et pour nous, c'est l'appel de Dieu sur notre vie. C'est le clin d'œil de Dieu sur des pécheurs que nous sommes. Il nous appelle tout simplement comme Pierre et les autres à sa suite, afin que nous puissions nous aussi annoncer son amour et sa miséricorde au monde entier. Voilà le sens que nous pouvons donner aujourd'hui à notre sacerdoce pour notre Église universelle, afin que le nom de Jésus-Christ puisse régner à jamais. C'est une action de grâce pour nous, parce que c'est le Seigneur qui choisit et c'est lui qui appelle. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour sa confiance envers notre personne. Il y a des gens qui méritent d'être là, mais il nous a choisis et il veut nous confier sa mission. Et en lui rendant grâce, nous lui demandons également de nous accorder cette force pour nous aider à accomplir sa mission fidèlement à travers le monde. Et par là, nous lui rendons grâce aussi pour nos parents, parce qu'ils ont bien voulu nous offrir à l'Église pour accomplir cette tâche. Alors, c'est une joie pour nous et que cette joie soit parfaite et que cette joie remplisse le cœur de chacun et de chacune de nous.